Bon Dieu, je te le dis, aujourd'hui j'ai la flemme de faire une intro, je te laisse faire. Oh mais quel flemmard celui-là. Bon c'est simple, Oise il va devoir faire top 1 avec ce renfort. Il s'appelle à pompe et à silex. Et en gros bah dès que t'as ce renfort, t'as un pompe et un silex. Logique. Un petit spoil, vu son niveau, ça m'étonnerait qu'il fasse top 1. T'as oublié un truc Gio. Ah ouais, mettez des pouces rouges. Ah je rigole. Mettez un max de pouces bleus et surtout n'oubliez pas le code créateur OiseZZ. On compte sur vous les frères. Ah je préfère. Bref, maintenant qu'il vous a tout expliqué, on est parti en game. Nous voilà dans le pré-lobby. Alors aujourd'hui j'espère vraiment qu'on aura de la chance parce que déjà, bah, la première étape, c'est de trouver le renfort. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. J'ai une chance sur 40 environ. En tous les cas, si je l'ai pas, je vire le monteur parce que ce sera de sa faute. Je m'en bats les couilles, tu vois. Où est-ce qu'on va atterrir? Et bah, je pense qu'on va aller à l'île des ZZ. Et en fin de bus, hop, là-bas, on sera bien. Il y a un ZDFR dans la feed. Ah, il y a vraiment Genou, Bastelo. Hein. Bien évidemment, jusqu'au moment où je trouve le renfort, bah, j'ai le droit de jouer avec toutes les armes. Moi, mon but, c'est vraiment de vous prouver que le pompe à charge est juste beaucoup trop fort dans cette méta. Genre, vraiment, pour moi, c'est l'un des meilleurs renfort du jeu, alors qu'il y en a beaucoup qui sont bien quand même. Si j'arrive à l'avoir, vous allez halluciner. Alors déjà, j'ai un petit coffre, ok, nerf violette. On boit la mini vite fait. On a un pompe, ok, une grosse. Dio, maintenant que t'as perdu le défi, tu peux plus censurer. Je me tape la grosse. Écoute-moi bien là. Manger une, pas dormir, puis te réveiller, ok? Voilà. J'aime bien. Bon, on va quand même farmer un petit peu. On sait jamais s'il y a quelqu'un qui débarque sur l'île. Tac, c'est bon. On a même une PM. Mon stuff est bien. Là, tu ajoutes le fameux pompe à charge violet et ça y est, je suis Gucci. En vrai, ça me fait bizarre dans un Fortnite parce que pour être sincère, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas lancé le jeu, j'ai décidé de faire une petite pause. Déjà parce que j'avais pas forcément le temps d'y jouer. J'avais tourné pas mal de vidéos à l'avance justement pour préparer ce moment. En fait là avec ma copine on est en train de refaire tout l'intérieur de notre maison. Et donc bah, on fait pas mal d'aller-retour au magasin. On doit repeindre les murs, monter, démonter des meubles. Enfin bref, on est pas mal occupé. Et du coup j'avais fait une petite pause de YouTube. Ça m'a fait du bien franchement, là je suis revenu avec plein d'idées. Une grosse envie parce que ça m'a quand même manqué. Pour moi faire des breaks c'est vraiment incroyable parce que du coup la hype remonte. Bref, comme vous pouvez le voir, j'ai mon renfort. Allez pitcher celui que je veux. Oh bah direct, regardez, à pomper à silex, vous recevez un fusil à pompe à charge et un pistolet silex. Non mais là par contre je suis cocu, c'est pas possible d'avoir autant de chance. Et vous savez quoi, je vais carrément prendre le silex et je vais vous montrer que c'est un très bon jeu également. Voilà, là je suis vraiment beaucoup trop bien. Il y a qu'un seul pompe qui peut rivaliser avec moi, c'est le pompe mythique. Et encore, il y a moyen que j'arrache le mec parce que franchement le pompe à charge il est sous-estimé. C'est un pompe qui depuis son apparition a toujours été controversé, c'est-à-dire soit tu l'aimes, soit tu le détestes, mais il n'y a pas vraiment de juste milieu. Moi je suis plutôt de la team de ceux qui l'adorent, franchement je le trouve incroyable. Au début j'étais pas fan, puis quand je l'ai compris et que j'ai réussi à le jouer, là j'ai adoré le style de jeu. C'est un gameplay totalement différent, c'est ça qui me fait kiffer justement. Juste, ça fait longtemps que je l'ai pas joué, donc j'espère que je suis toujours aussi fort avec. Ah le monteur. Ah non, j'étais un monstre hein. Ouais, ça doit être ça. Ouais. J'ai mis un contrat sur Anonymous. Ah ouais, il fait flipper lui. Il est là-bas, mais non, c'est trop loin, je vais pas, c'est mort. Hey, j'ai la flemme. Là-bas par contre, je vois que ça construit. On va aller leur rendre visite. Il est en train de faire une tour de fou. Oh oh, je le vois. Je vais prendre la hauteur direct. Où est-ce qu'il est parti? Je pense qu'il est dans ce bat là. Il doit pas s'attendre à ce que j'ai spawn. Ok, il est remonté. J'ai un nouveau renfort, je le prends vite. Non, pas eux. Glisse de munitions, ça c'est cool. Allez, maintenant ça part. Nope. Première balle ratée. Oh oh, la patate. Et il est mort. 2 balles, moins 200 HP. Mais encore là, dites-vous que j'ai pas mis une grosse tête et je l'ai pas chargé suffisamment. Parce que pour ceux qui savent pas, plus tu charges, plus tu mets des gros dégâts. Alors là, par contre, il y a énorme. Un harnais de manœuvre tridimensionnel. Un harnais, mais c'est pour faire des travaux, ça, non? Regardez ça. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais moi, quand j'ai arrêté Fortnite la semaine dernière, il y avait pas tout ça. Hein. Bon, maintenant qu'on a fait un premier kill, on va partir à la recherche d'un nouveau fight. Le but, c'est vraiment de vous démontrer à quel point il est fort. Le top 25 a été débloqué aussi. Ce serait cool que je monte aussi mes points d'arène. J'en ai même pas 3000. C'est vraiment la honte. Ma copine, elle est déjà champion. Attendez, on dit champion ou championne pour une fille? C'est un vrai dilemme ça. Dites-moi en commentaire, champion ou championne. Dans tous les cas, le monteur, ça te concerne pas. C'est une ligue que t'atteindras jamais. Ah, oh, c'est marrant, ça rigole bien. Mon silex, j'ai que 5 balles, ça c'est dommage, ça me fait un peu peur de l'utiliser. Là-bas en bas, vous le voyez? Moi oui. 120 de dégâts. Oh oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est quoi ça? Mais ouais, j'y cours trop vite. Ah, mais c'est quoi ce bordel? Pas couvé, pas couvé. Hop, touché. Ça c'est cool, c'est pour les décales aussi, le pompe à charge. Je tape la grosse. Toujours pas de censure, Dio. Oh, mais c'est quoi cette merde? C'est quoi ce bordel? Me dites pas que c'est le harnais de sécurité que j'ai vu pour les travaux. Crac. Oh, j'ai raté ma balle. Décale à droite. Mort. Voilà, ça c'est le pompe à charge. Il est incroyable, mais vraiment, faites-moi confiance. Et si vous l'aimez pas, franchement, forcez-vous à le jouer dès que vous le voyez. Au bout d'un moment, vous allez le comprendre et l'adorer. Du coup, j'ai pris le harnais de manœuvre tridimensionnel. On va l'essayer quand même, parce que ça avait l'air vachement fort. Alors, comment ça s'utilise, ça? Mais regardez, c'est vraiment pour faire les travaux. C'est les mecs qui lavent les buildings, ils ont ça. C'est pour laver les fenêtres de Mega City. Ah, mais il y a écrit à gauche, grappin, planer, attaquer. Ah, donc ça, ça fait... Wow.
mais c'est un truc de ouf. Mais c'est beaucoup trop bien. J'ai l'impression d'être Spider-Man. Du coup, le clic droit, ça attaque. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien du tout, regardez. Ça me met juste en garde. C'est pas grave, on va utiliser que le grappin. Et juste pour ça, j'adore. Oh, je vais pouvoir bien enchaîner. 15 joueurs restants. Là, c'est le game, c'est top 1, je vous le dis. Hop, je me balade d'arbre en arbre. Je vais vers le bord de zone. En général, il y a du monde, mais là, ça a l'air vraiment vide. Ah, peut-être là-bas, il y a un fight. J'espère juste qu'ils sont pas déjà partis. C'est bon, ils sont là. Il est juste ici, regardez, je vais charger. 25 de super loin. Allez, moins 40. Aïe. Aïe. Oh, oh. Mais lui, il a réussi à m'attaquer. Non, mais c'est trop cheaté, cette merde. Je retire ce que j'ai dit de bien là-dessus. À quel moment il y a ça dans le jeu et encore plus en arène? Je me suis fait découper. Ah, vas-y, j'ai le démon. C'est trop. Ça tombe, j'ai pu retrouver l'arme maintenant. 15 joueurs restants. Là, c'est le game, c'est top 1, je vous le dis. Il joue trop mal. On est de retour dans le bus. Je vais profiter de cette deuxième partie pour vous faire découvrir un nouveau spawn. Regardez, c'est la petite maisonnette là-bas. Ça fait de nombreuses semaines que je vais vous le faire découvrir. J'ai atterri quand je fais de la duo avec ma copine. Et franchement, il est sympa. Faudra qu'on lui trouve un petit nom si jamais vous le validez. Mais moi, je dirais la plage des ZZ. Parce qu'en fait, c'est la maison plus la plage ici. Je vais vous faire une petite visite comme les agents immobiliers. Oh oh, il y a un mec. Lui, par côté là-bas. Alors là, j'ai une lame cinétique. Oh, maintenant elle est bleue. Oh, quand je jouais, elle était violette. Du coup, la lame cinétique, maintenant, elle a plus que deux coups possibles. Ah oui, elle est beaucoup moins forte. Elle a été patchée en fait. Pourquoi personne me prévient? Eh les gars, s'il vous plaît, quand il y a une mise à jour, envoyez-moi un message sur Twitter pour me dire toutes les nouveautés. Parce que moi, à chaque fois, je les découvre en vidéo et je passe pour un imbécile. Il est ici. Touché. Il est crack. Il est en train de manger des méduses. Ça, c'est vraiment un synonyme de Hess. Touché, un HP, et mort. Merci d'être venu. Allez, je t'ai fait une petite danse carrément, sors de là. Maintenant, je vais aller vous présenter la plage. Juste avant, on va regarder le renfort. Ah ouais, non, il est pas là, hein. Allez, pitcher ici. Toujours pas. C'est un nouveau, ça. Assaut aquatique en agent, vous vous déplacez plus vite et regagnez des PV. Oh, je savais pas. Et ici, oui, il y est. Incroyable, j'ai trop de chance. Allez, viens ici, et toi, viens ici aussi. Voilà, là, on est encore bien. Eh, n'empêche, j'ai remarqué un truc. Dans cette vidéo, j'ai enfin pu redire la phrase magique des ZZ et j'ai de la chance. Bizarrement, c'est depuis qu'il y avait une censure que ça marchait plus trop, hein. Oh, comme c'est bizarre. Non, je vous dis que Dio, c'est un marabout, mais vraiment. L'avantage, c'est que sur la plage, il y a pas mal de pierres pour farm, mais aussi du bois. Ça peut être cool pour venir choper un peu de matériaux. Franchement, c'est un spawn qui est un peu moins bien que les ZZ, mais qui peut faire le taf en fonction de la direction du bus. Dites-moi en commentaire si vous le validez. La nouvelle zone vient d'apparaître. Je suis ici et elle est là. Je suis vraiment pas loin. On va quand même se rapprocher de Mega City. C'est à 1120 mètres. Là-bas, je pense qu'il y aura du monde pour fight. Juste maintenant, bah, je veux pas qu'il m'arrive comme la game d'avant. Je vais vraiment me méfier du nouveau truc, là, pour nettoyer les vitres. On est top 30. Ça diminue encore une fois. Je suis à 2800 points. L'objectif des 3000 en vrai est pas irréaliste, hein. Je pense qu'on peut le faire. D'ailleurs, il y a une question que je me pose. Là, comme vous pouvez le voir, mon fusil à pompe à charge est violet. La rareté au-dessus, c'est légendaire. Est-ce que si je vais sur un établi, je peux l'améliorer en légendaire contre des golds ou pas? C'est quoi, on va tester. Il y a un établi normalement dans le bâtiment là-bas. En vrai, ça serait incroyable d'avoir un charge légendaire, hein. Déjà que là, je mets des patates, mais alors avec une rareté de plus, mon dieu, je serais le meilleur joueur du monde, je pense. Réponse tout de suite. Oh, on peut, mais il faut 500 gold. Ah ouais, non, mais c'est beaucoup. Moi, j'ai pas d'argent. T'en as pas pour moi, Joe? Non. Je m'en doutais un petit peu, Laura. Là-dedans, normalement, il y a des gold. Oh, c'est un nouveau type de coffre. Ah, mais c'est là-dedans qu'il y a le truc pour laver les vitres. Ok, intéressant. Bon, il y a un coffre, mais il n'y a pas de gold du tout, hein. On va abandonner l'idée de le passer en or. Il y a quelqu'un qui est en train de capturer le cache à 230 mètres. Je vais y aller. Il a bientôt terminé. Moi, je me rapproche. Et là, j'ai plus sa position. Je crois que c'était là tout droit, hein. Bah oui, il doit être boxé. C'est ça qu'il est dans le cône. Oh oh, il était dans l'autre. On se met l'espace vite fait. J'ai un pompe à charge, poteau. Ok, faut que je sorte. Non, il n'a pas tiré mon pompe. Là, la balle, elle a été déviée. C'est pas moi qui ai raté, hein. Et il y a un autre mec qui a backstab. Non, mais je rêve. J'ai pas de chance. Donc, par hasard, quand je dois vous montrer la puissance d'une arme, on me laisse même pas fight. Allez, on va réessayer. Troisième et dernier passage dans le bus. Cette fois, on va aller... Bah sur cette île, je l'ai jamais découverte. Tu penses qu'elle est bien, Gio? Bah franchement, je pense que ouais, elle doit être. Non, je rigole, je m'en fous, garde ta salive. Foiré. Comment je l'ai terminé? Niveau esthétique, elle ressemble de ouf à l'île des ZZ, il y a plein de bambous. Ah là, il y a une petite maisonnette carrément. Allez, j'espère qu'elle est cool. J'entends un coffre, il est où? Ah, sûrement à l'étage. Effectivement, allez, du shield, non, mais un pompe, ok. Petit pompe bleu en attendant d'avoir le pompe à charge, ça peut être pas mal. Ici, on a des mini, parfait. Wow, il y a trois coffres. Oh, mais la dinguerie en fait. Il y a des grenouilles. Je peux prendre vos coffres? Ah, ça me fait un peu peur, hein. Hey, d'ailleurs, Gio, est-ce que toi, t'es super. Genre par exemple, est-ce que t'as peur des chats noirs ou de passer en dessous d'une échelle? Pas du tout. Moi pas du tout, genre je suis pas du tout sensible à ça. Dites-moi en commentaire à quoi vous êtes superstitieux si vous l'êtes. Je suis sûr, il y en a, c'est des trucs super atypiques. Bref, premier renfort, ok il est pas là. Allez on prie, je relance. Troisième chance s'il vous plaît. Non, ok j'ai 68 de gold sur 100. Mission en trouver. Il y a peut-être un coffre dans le bâtiment. Et bah en fait non. Je vais essayer de remonter par ici. Là-bas je sais qu'il y a moyen de vraiment trouver beaucoup beaucoup d'or. Ah c'est la troisième game, on peut pas s'arrêter sur un tel échec où on trouve même pas le renfort. J'ai encore perdu ma crédibilité.
Oups, désolé Gio. Oh, Waz le boss. Vous avez vu? Mais je suis mort. Dans la fête, il y avait un mec qui s'appelait Waz le boss. Non, mais alors toi, t'es le GOATS des GOATS. Oh, incroyable, je suis trop content, il a refait ma journée. Improbable quand même que je tombe contre lui en game. Regardez la map, là aussi, c'est un endroit que j'ai pas découvert. Oh, il y a un silex, ça veut dire que quelqu'un qui a eu un pompe à charge ici. Et il l'a échangé pour ça. Eh, mais si je le trouve, je le tue et j'ai le pompe à charge en vrai. Hein. Où est-ce qu'il a pu partir? Allez, décolle. Allez. Ah, merci. Est-ce que je le vois? Non, il a pas l'air d'être ici. Oh, je suis deg. Bon, on va quand même regarder s'il y a pas de l'or ici. Il y a des munitions, mais pas d'or à l'horizon. Oh, la phrase de fou. Allez, c'est pas grave, on a deux renforts. On va déjà claquer le premier. On va prendre genre, vas-y, lui. Et le deuxième, est-ce qu'il est là? Non. Bon, pour Affinity Aérienne, c'est pas grave. Il me reste plus que deux chances. On ouvre ça. On a le truc pour laver les vitres. Oh, mais ça s'appelle harnais. Ok, faut que je l'appelle harnais. Il y a pas d'or là, vraiment? Oh, le truc de ouf. On va aller voir dans le bâtiment là-bas. Est-ce que tu crois, Gio, au gold là? Non, on revient. Ok, ça fait plaisir. Ah, mais c'est vrai, je peux prendre le harnais pour aller plus vite. Hop là. Et bah, toujours rien. Là, j'en ai trouvé dans le canapé. J'en ai 93 sur 100. Oh, j'entends un coffre de fou. Wow, il est trop BG maintenant. Une PM violette. Ok. Grâce à lui, j'ai 119 de gold. C'est-à-dire que le prochain renfort, je pourrais le relancer une fois. Ça y est, il est disponible. Ok, il est pas là. J'appuie sur relancer. Pitié. Non, je l'ai toujours pas. Bon, vas-y, on prend lui. Là, faut vraiment, mais vraiment trouver un maximum de gold. Il me reste plus qu'une seule chance. Il y en a peut-être un peu ici. Non, même pas. Oh. Non, je suis désespéré. C'est dans le coffre. Dans le lit. Mais vas-y. Comme par hasard, c'est toujours quand j'en ai besoin que j'en ai pas. Genre, quand je m'en fous des gold, j'en ai 500. J'entends un coffre normalement pour en avoir dedans. Ah, ouais, y'en a même pas eu. N'empêche que là, petit à petit, la game avance et les gens diminuent aussi. On est plus que 22 maintenant. Donc, même si j'arrive à l'avoir, je pourrais pas faire tant de kills que ça. C'est pour ça que je dois vite le trouver. Nouveau coffre. Hop. Toujours pas de gold. Bon, bah, je pense que là, la seule solution pour le trouver, ça serait de tuer celui qui l'a pris tout à l'heure. Y'a l'île qui vient de spawn. Peut-être qu'il va y aller. Hop. Oh, mais comment j'avance trop vite? Regardez ça. C'est une dinguerie. Si c'est en compétition, c'est trop cheaté. Et voilà. En à peine 10 secondes, j'ai atteint l'île. Y'a pas de pompe à charge ici. Non, dommage. Ça aurait été trop beau. Je vais quand même regarder le renfort. On sait jamais. Et non, il y est pas. Bon, on va pas le prendre. On sait jamais si on tombe sur du gold. Par contre, ce que je vais faire, c'est monter. Déjà pour l'air, mais aussi parce que peut-être que le mec avec le pompe à charge va venir. Voilà, ça capture. Et je parle pas du relais capture. Oui, encore moins d'une capture d'écran. Oh là 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 là, parfois je suis un bon prime en humour comme ça. Ah merde, là je crois que je suis trop, je capture plus. Désolé. Ah, y'a un mec qui arrive. Eh, je veux pas remourir de cette arme. Hein. Ok, il est boxé là. Crac. Un HP. Il me la KS. Il va pas me chier dessus quand même. Regardez, la capture elle continue. Et il la reconteste. Ok, j'ai le high. Crac. Touché blanc encore. Mon gars, t'as pas une vie à l'infini, hein. Ah bah si, il a des splashs. Oh damn. Et t'es mort, Chris. Bien tenté. Malheureusement, lui, il avait juste le pompe mythique. Je vais au moins finir la capture. Je vais pas repartir bredouille. Voilà. Elle est où la R? Pourquoi elle est au-dessus? Effectivement, elle est là. Hop, je la ramasse. Et maintenant, bah, on est parti en zone, hein. Top 14, toujours pas de pompe à charge. Non, vraiment, c'est trop grave. Dès que j'ai quelque chose à vous prouver, bah, y a tous les astres qui s'alignent contre moi. Y a un gars qui me push. Je vais vite boire le bleuvage pour reprendre de la vie. Par contre, regardez, j'ai 265 de gold. Ça veut dire que je peux relancer. Allez, pitié. Oui, les gars, c'est bon. J'y croyais plus. Et voilà, le pompe mythique. Je le laisse là. On va jouer avec le pompe à charge et l'air mythique. Pour moi, franchement, c'est un combo qui peut limite valoir le pompe mythique. Hein. On va le tester. Perfect. Mort. J'ai le mur. Un HP. Faut vite que je me barre. Heureusement que j'ai ça. Ah, mais il l'a aussi, regardez. Oh, oh, mais wesh. Eh les gars, je vous jure que je cheat pas. Mais j'ai jamais mis une telle dinguerie. Ça va encore m'accuser de cheat. Par contre, toi, poteau, je vois que tu te sers un peu sur mon stuff. Et comme j'ai bien dit, c'est mon stuff. Touché 27. Oh oh, je me suis fait casser la gueule. Je sais même plus quoi dire. Il se passe que des trucs improbables. Il y a un mec à côté qui m'a spam. Vas-y, c'est grave. Eh, vas-y, comme pour l'intro, j'ai la flemme de faire l'outro. Gio, tu gères. S'il te plaît, sois sympa avec moi. Je suis déjà assez tilté là. Rien ne s'est passé comme prévu. Petit débrief maintenant. Et bah, que dire, à part que t'as été très mauvais comme d'habitude. Mais c'est pas une surprise. En plus de cheater comme on l'a vu, et bah, tu meurs comme une merde. Non, franchement, il faut vraiment que je t'entraîne. Et par contre, je suis pas du tout pour que sur 10, tu tapes la grosse. Et bah, tu sais quoi, on va faire un pacte si jamais tu dis aux abonnés. Allez. Allez, à la prochaine les gars, ciao. Et ben on arrête de dire, je me tape la grosse. Allez, à la prochaine les gars, ciao. Je suis trop fort, allez, salut les mecs.